quelqu'un lise pour nous Matthieu 6, verset 27. Matthieu 6, verset 27. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 27. Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Amen. Il y a les sentiments comme les inquiétudes. You have feelings like worries. La crainte. Fear. Lis Isaïe 54. Isaiah verset 50, 14. 54 verse 14. Isaïe 54 le verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Amen. Isaiah, chapter 54, verse 14. In righteousness you will be established. Tyranny will be far from you. You will have nothing to fear. Terror will be far removed. It will not come near you. Amen. Bannis la crainte. Put an end to fear. Bannis la frayeur. Put an end to terror. Bannis les inquiétudes. Put an end to worries. Il y a ce qu'on appelle l'oppression. There is what is called oppression. Le diable s'arrange à produire en toi et autour de toi les choses qui t'enlèvent le repos. The devil produces in you and around you things that are going to remove your peace from you. Les choses qui t'effraient. Things that frightens you. Et ça te trouble. And it troubles you. Ça trouble ton âme. And it troubles your soul. Ça désorganise les fonctions psychiques. It makes your psychiatric functions to be disorganized. Ça désorganise les fonctions motrices de ton corps. It disorganizes the movements of your body. Ça veut dire que le cerveau de ton âme est touché et le cerveau de ton corps physique est touché. That means the brain of your soul is touched and the brain of your physical body is touched. Ça t'enlève la sérénité. It removes tu n'es plus serein, tu n'es plus serein. Tu deviens craintif comme un petit enfant. You become fearful like a little child. Si ça grandit, if it grows, ça t'enlève le sommeil. It removes sleep. Tu ne dors plus. You no longer sleep. Et ça peut évoluer. And it can grow, it can evolve. Jusqu'à la perte de la censure morale. Until you lose your morality, your discernment. Ta capacité d'apprécier le bien et le mal. That's your ability to appreciate what is good from what is bad. Tu deviens comme un animal qui ne sait plus ce qui est bien, il ne sait pas ce qui n'est pas bien. You become like an animal. You no longer discern what is good and what is not good. Lis pour nous Ecclésiastes 7, verset 7. Ecclésiastes, chapitre 7, le verset 7. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Amen. Vous avez compris. Lis en anglais. Chapter 7, verse 7.
Oppression make a wise man mad. L'oppression fait que le sage devient fou. Oppression makes a wise man mad. Quand le diable te dit, tu vas mourir. When the devil tells you, you're going to die. Tu commences à trembler. You start trembling. Tu dis, j'entends une voix qui me dit que je vais mourir. You say, I can hear a voice that is telling me that I'm going to die. Il peut envoyer un faux prophète. He can send a false prophet. Il peut te donner des songes faux. He can give you false dreams. Tu peux rêver qu'une voiture t'a écrasé. You can dream that a car has crushed you down. Tu te réveilles. You get up. Je vais mourir. I'm going to die. I'm going to die. Je connais un adulte. I know an idol. An il s'est reposé. He was resting. Et puis il s'est réveillé. And he got up. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. I almost died. J'ai failli mourir. I almost died. Il dit c'était comme s'il s'enfonçait dans l'abîme. He said it was as if he was getting down into the abyss. Il s'est réveillé. And he got up. Quand ça fait comme ça, tu ne veux plus te coucher. When it happens, you no longer want to sleep. Tu te dis, si je me couche, je vais mourir. You think that if I sleep, I'm going to die. Et ta santé commence à être détruite. And your health starts deteriorating. Quelqu'un qui ne dort pas, il va tomber malade. Someone who doesn't sleep is going to fall sick. Il va tomber malade. He's going to fall sick. Si ça continue, if it continues, ça devient le délire, le délire. It becomes foolishness. Dis des choses qui ne sont pas correctes. You say things which are not correct. Raconte des histoires incohérentes. You speak things that are not normal, that are incoherent. Tu peux prendre une décision étant dans un état dépressif. You can take a decision being in a depressive state. Tu dis les gens ne m'aiment pas. You say, people don't love me. Je ne veux plus les saluer. I won't greet them any longer. Toi, tu penses que tu es normal. You think that you are normal. Mais les voisins constatent qu'il y a un problème. But your neighbors notice that there is an issue. Tu ne salues personne. You don't greet anyone. Quand quelqu'un te tend la main. When someone stretches his hand. Le démon te dit, il va te tuer. Tu as peur. The demon will tell you, he will kill you and you're afraid. Même si c'est un parent. Even if it is a relative. Si on t'appelle, ton cœur se coupe. If they call you, your heart hurts. L'oppression oppression rend makes insensé the wise le sage mad. C'est la règle spirituelle. That is the spiritual rule. À force d'oppresser quelqu'un, as you are oppressed, de l'effrayer, as you are frightened, ou de gronder, or scream at, il commence à trembler. The person starts trembling. Quand il dort, when he sleeps, il tremble même dans le sommeil. He trembles even in his sleep. L'oppression fait que le sage peut se déshabiller. Il marche nu. Oppression can make a wise man to undress and walk naked. Il y a deux caractéristiques de la dépression. There are two characteristics of depression. Il y a un. There is one. Les choses qu'on entend. The things we hear. Deux. Secondly, les choses qu'on voit. The things we see. Quand quelqu'un commence la dépression, when someone begins depression, il entend les voix. He hears voices qui ont autorité who dans have son esprit. Authority over his spirit. Il entend des voix. He hears voices. Il peut entendre tu vas mourir. He can hear you will die. Il peut entendre on va te tuer. He can hear they will kill you. Si tu amènes un dépressif ici, if you bring someone who is depressive here, il aura peur. He will be afraid. Les gens vont me tuer. He said they will kill me. Quand ils voient beaucoup de personnes, when they see many people, ils se lèvent, ils s'en vont.
They get up and go. Il peut se lever, il court, il fuit. He can get up and run and go away. Il entend des voix. He hears voices. Un frère me disait. A brother was telling me. Qu'il avait été dépressif. That he was suffering from depression. Quand sa femme s'approche de lui. When his wife came near him. Il lui donne un coup de pied. He will kick her away. Parce qu'une voix lui dit qu'elle veut te tuer. Because there's a voice telling him that she wants to kill you. Il arme bien le coup de pied. That means he will strengthen the first foot and just blow his wife. On m'a appelé quelque part. And they called me somewhere. Il y a quelqu'un qui est dépressif. And they said there's someone suffering from depression. Bien. Come. Je suis arrivé. I went there. Le gars est entré dans la chambre. Il avait fermé la chambre. The man got in the room and locked himself. Il est dedans. He was inside. On l'appelle, il ne vient pas. They call him, he will not come out. Il a peur. He's afraid. Je lui dis, je suis un homme de Dieu, je veux prier pour toi, ne crains pas, sors. Il dit, non! He said, I'm a man of God, I want to pray for you, don't be afraid, come out. He said, no! Même son non, tu sais qu'il n'est pas normal. Even his no, you know that he's not normal. Dans la chambre. Inside the room. Bien fermé par lui-même. Locking up himself. Non! No! Après, je lui ai dit, then OK, voilà le livre que je te laisse. Il faut prier, il faut prendre, tu lis. Moi, je m'en vais. And I told him, I'm leaving you a book. Take it and read it. I'm going. Je suis sorti. I went out. Il a ouvert la porte rapidement. Il a pris le livre, il a fermé la porte. Pam! He opened the door quickly, took the book and closed the door. Pam! Donc, je n'ai jamais vu sa face. So I have never seen his face. Juste aujourd'hui. Till today. Et c'est un état malheureux, un dépressif, c'est la misère même. It is a sad state. Someone suffering from depression is misery. D'autres n'entendent pas des voix. Some, they don't hear voices. Ils voient les choses. They see things. Ils voient le feu. They see fire. Ils voient les serpents. They see snakes. Ils voient les hommes qui marchent la tête, les pieds en l'air, la tête en bas. They see men walking upside down. Les dépressifs qui voient les choses. People suffering from depression, they see things. Ils voient des images. They see images. Deviennent facilement fous. And they easily become mad. Les images, images dans ton esprit, dans le psychisme, détruisent facilement le cerveau. In your mind, your psychiatric being destroys the brain. Les esprits de déception the spirits visent of deception, une seule chose. They say just one thing. Le cerveau de l'être humain. Retenez ça. They target one thing, the brain of human beings. Un fou peut vivre longtemps. A madman can live for long. Ce que les démons cherchent, c'est son cerveau. What the demons are after, it is his brain. Les démons lui parlent. Demons speak, they speak to him. Et ce que les démons lui disent est très faux. And what demons tell him is very false. Parce que les démons veulent qu'il change la manière de voir le monde. Because demons want him to change his way he sees the world. Un jeune homme me disait, a young man told me, quand ma dépression veut commencer, when my depression wants to start, je vois que les choses sont contraires. I see that things are going on the contrary. Et si le fil est noir, et si le fil est vert, je vois qu'il est rouge. If the thread is green, I can see the thread is red. Les esprits de dépression peuvent te dire de ne pas te lever. The spirit of depression can tell you not to get up. De rester couché toute la journée. Remain lying down the whole day. Ils peuvent te montrer un piton qui traverse la chambre et qui disparaît. They can show you a python going through the room and then disappears. Un jeune homme m'a dit, ma dépression commence quand je vois qu'un lion bondit sur moi. A young man told me that my depression starts when I see a lion coming on me. Quand le lion bondit sur moi, je crie, ah, ah, ah. When the lion jumps on me, I shout, ha, ah, ah, ha, ah. Et les gens viennent.
And people come. Qu'est-ce qu'il y a? What is wrong? Je dis le lion. He says the lion. Quel lion? Say, which lion? Where is the lion? Non, c'est la misère. So it is misery. Et nous avons appelé ça les simulations démoniaques. We call it demonic simulation. La médecine appelle ça les hallucinations. Medicine call it hallucination. Mais il s'agit de simulations. But these are simulations. Tu peux être couché. You can be lying down. Et tu sens que tu es couché sur un python qui bouge. And you feel as if you're lying down on a python which is shaking. Tu cries, tu te lèves. You shout, you scream and get up. On vérifie, il n'y a pas de python sur le lit. And they check, there's no python. Tu peux te coucher. You can lie down. Tu sens comment un python traverse ton corps. You feel as if a python is going tu round cries, your body. Tu te lèves. You scream and get up. Les gens viennent, il n'y a rien. And people come, there is nothing. Et après une semaine ou deux semaines, comme tu ne dors pas, tu craques. Since 1 week, 2 weeks, since you're not sleeping, you just crack. Tu peux ramasser un objet, tu casses les choses à la maison, tu casses les choses. You can take an object and you just break things in the house. Si quelqu'un est violent aujourd'hui, if someone is violent today, ça veut dire que sa dépression a commencé il y a de cela au moins 5 ans. It means that he was suffering from depression since about 5 years ago. C'est différent de l'esprit de folie. It's different from the spirit of madness. Si un démon de folie entre en un homme, if a demon of madness gets into a si man, tu le chasses, if you cast him out, la personne guérit sur le champ. The person is healed on the spot. Mais les esprits de dépression n'ont pas pour objectif d'entrer dans l'homme. But the spirit of depression, their target is not to get in man. Il lui donne des informations fausses dans son cerveau. He gives him false information in his brain. S'il dort, if he sleeps, ils arrêtent. They stop. Ils attendent quand il se réveille. He's waiting for them to get up. Parce que si quand on dort, because when we are asleep, l'intelligence se repose. Your knowledge rests. Donc, ils attendent quand tu es actif. They are waiting for you to be active. Il peut te dire, insulte telle personne. He can tell you, insult this person. Et tu insultes. And you insult. Tu obéis. You obey. Au fur et à mesure que tu obéis, the more you obey, leur emprise sur ta personne augmente. Their grip over you increases. Quelqu'un nous a dit, someone told us, les démons lui disaient, tu es beau, déshabille-toi. That the demons would tell him that you are handsome, undress yourself. Il nous dit, les démons, les fous que vous voyez là, suivent une formation par les démons. And he would tell us that these mad people you see, they have a training that the demons give them. Les esprits de dépression peuvent te dire que tu es un grand prophète. The spirit of depression can tell you that you are a great prophet. Sors. Go. Va prêcher au président de la République. Go and preach to the president of the republic. Tu t'habilles. You dress. Tu t'en vas. You go. On t'interpelle, tu cries. Tu dis, je veux parler, Dieu m'envoie. And when they stop you, you scream. You say, I will speak, God is sending me. Dieu m'envoie. God is sending me. Il y a un monsieur. There is a man. On m'avait appelé. They called me pour aller prier pour lui. To go and pray for him. Ils étaient dans un séminaire de formation biblique. They were in a biblical seminary. Là-bas, there, il a entendu une voix qui lui a parlé. He heard a voice that spoke to him. La voix a dit ceci. The voice said this. Je te donne l'esprit de Jérémie. I'm giving you the spirit of Jeremiah. Il a dit au responsable que je viens de recevoir un message. He told the one in charge that I've just received a message. Ils étaient des hauts responsables au pluriel. Then he told the people who were in charge. L'esprit m'a parlé. That the spirit spoke to me. Ils lui ont dit, non, Dieu va t'utiliser. And they told him that God is going to use you. Quand il est rentré, when he went back,
Il a reçu des anges dans la maison. He received angels in this house. Les anges de Satan, bien sûr. Angels of Satan, of course. Après, les esprits lui disent, va prêcher. Then the spirit will tell him, go and preach. Il sort, il réveille les gens, il frappe à la porte 1h du matin. Lève-toi, écoute la parole de Dieu. He will go out and knock at people's door at 1 a.m. Get up and listen to the word of God. Les gens disent, c'est quoi? And people say, what is it at this time? Il dit, non, Dieu lui a dit. He said, no, God has told me. Qu'il va ressusciter tous les morts. That he will bring all the dead back to life. Tous ceux qui sont morts pendant la période de la crise post-électorale. That all those who died during the period of the post-electoral crisis. Et il va ressusciter ses parents. That he's going to bring them back to life, his relatives. Il prie. He prays. Il se met à genoux à 19h. He kneels down at 7 p.m. Il prie jusqu'à 5h. He prays till 5 a.m. Après. Then. Ramasse un couteau. He takes a knife. Un gourdin, le pilon. Il ramasse le pilon. Il veut frapper sa femme. He takes a stick and wants to hit his wife. Quel est cet esprit de Jérémie? What is that spirit of Jeremiah? Vous savez ce qui s'est passé? You know what happened? Les démons ont menti et personne n'a corrigé ça. Demons lied to him and no one corrected it. Dans notre génération, in our generation, quand Dieu a déjà envoyé le Saint-Esprit dans le monde, when God has already sent the Holy Spirit in the world, promettre encore à quelqu'un l'esprit de Jérémie, ça c'est une fausse prophétie. To promise to someone the spirit of Jeremiah is a false prophecy. Si Dieu t'a promis l'esprit, il dit je te donne l'esprit de Moïse ou d'Élie. Il faut faire attention. Si tu es entre des mauvaises mains. If God has told you that I'm giving you the spirit of Elijah, of Moses, be careful, you're in bad hands. Dans notre génération. In this, our generation. On attend l'esprit de Jésus. We are waiting for we have the spirit of Jesus. Qui s'appelle aussi l'esprit de Dieu. Who is also called the spirit of God. Qui s'appelle le Saint-Esprit. Who is called the Holy Spirit. Donc, ils ont laissé et les démons l'ont possédé. So they allowed it and the demon possessed him. Qu'est-ce que je veux dire? What am I saying? Les démons de dépression. Demons of depression. Aiment les gens passifs. Passifs. They love passive people. C'est-à-dire, quelqu'un te dit. Someone tells you. Jésus revient ce matin. Jesus is coming back this morning. Tu ne lui dis même pas que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. And you don't even tell him that Jesus says no one knows the time nor the day. Tu dis, ah bon, il vient ce matin. He says, so he's coming this morning. Il dit, oui, oui, ce matin. He says, yes, yes, this morning. Il faut discerner. You have to discern. Un enfant de Dieu doit discerner tout ce qu'il entend. A child of God must discern everything he hears. Tout ce qu'il voit. Everything he sees. Quand le démon te dit tu vas mourir. When the demon tells you that you're going to die. Tu es un enfant de Dieu. Le démon, Dieu va te dire que tu vas mourir pour quel but? You are a child of God. Why is God telling you that you're going to die? For which purpose? Pour quel but? For which purpose? Dieu peut te dire, comme il a dit à certains prophètes, prépare-toi. Je te prends demain. Là, ça veut dire qu'il veut. Tu dis même aux gens que mon Dieu me prend demain. God can tell you like he said to some prophet, be ready, get ready. I'm going to take you tomorrow. Then you can tell people that God wants me tomorrow. Dieu ne peut pas venir comme ça. Toi, un petit enfant en Jésus, il dit tu vas mourir. Pour quel ça c'est quel message? Tu vas mourir. God cannot come like that. You a young child in Christ, and he tells you that you're going to die. For which purpose? Un enfant de Dieu doit connaître même le style de Dieu, sa manière de faire. A child of God should know God, the way he functions. Tu dois savoir que notre Père ne peut pas parler comme ça.
You must know that our Father cannot speak this way. You will die. J'ai demandé à quelqu'un, tu entends ça depuis quand? Des années, je lui ai demandé, et puis tu n'es pas mort jusqu'à aujourd'hui. De 10 ans, tu vas mourir. I asked someone, since when are you hearing these voices? Tu vas mourir. He said, for years. 5 ans, tu vas mourir. And I said, you've not died 10 years, 5 years. You will die. Et toi aussi, tu es là, tu vas dans tel camp de prière. And j'entends you, une voix qui dit que je vais mourir. To this camp of prayer. Et tu ne meurs pas. And Satan is tu saying dois that dire you will c'est die, faux, menteur, va-t'en. You must say it is false, you liar, go away. Parce que quel message tu vas mourir, je suis mort quand? What is this message that you're going to die? When did you die? Et puis qui t'a même dit que je crains la mort? And who even told you that I'm afraid of death? Il y a une sœur. There's a sister. Elle entendait toujours, tu vas mourir. She always heard you're elle going to die. Elle avait peur, elle tremblait, tu vas she mourir. She was afraid and trembling, you're going to die. Un jour, one day, la même voix, ça a duré 2 ans, la même voix est revenue. He stayed for 2 years, the tu same vas voice mourir. Came back. You will die. Elle a dit, mais si je meurs, je vais au ciel, je vois mon père. C'est fini. And she said, if I die, I'm going to heaven, I will see my father. And elle that n'a was plus over. Jamais entendu ça. That was the end. She never heard about it again. Je voulais expliquer à une sœur ce qu'on appelle être passif. I wanted to explain to a sister what is called being passive. Parce qu'elle me cherchait dès que j'arrive, elle as vient. Soon as I get in, she comes. Elle pose le même problème. She will pose the same issue. Je lui donne les mêmes réponses. And I will give her the same elle answer. Bénit Dieu, elle se réjouit. And she will bless God and rejoice. Quand je pars, elle retombe. When I go, she falls quand back. Quand je reviens, elle pose les mêmes problèmes. When I come back, she will ask the je same lui donne question. Les mêmes réponses. And I give her the same answer. Je lui disais, tu es passive. And I told her, you are passive. J'ai constaté qu'elle ne comprenait pas du tout ce qu'on appelle être passif. I noticed that she didn't understand what is called being passive. Un jour, one day, je suis encore arrivé. I was there. Elle est venue avec son ami. She came with une her friend. Des amis. One of her friends. Je lui dis, n'est-ce pas tu es and une, I told her, n'est-ce pas tu es une Chinoise? Are you a Chinese? Elle dit oui. She tu, said tu yes. Tu es une Chinoise, non? I said you are a Chinese now. Elle dit oui. She said yes. Après je dis, comment tu peux accepter que tu es Chinoise? I said, how can you accept that you are a Chinese? Elle dit, hey, moi aussi je me demande aussi. I'm asking myself the same question. Je lui dis, c'est ça qu'on appelle être passif. I told her this is what it is called being passive. N'est-ce pas tu es chinois? Elle devait regarder comme si j'avais un problème. C'est plutôt moi qui devais l'étonner. Are you a Chinese? She was to look at me as if I had a problem, but I was to surprise her. C'est ça qui fait que quand on dit à quelqu'un tu vas mourir, il commence à prier, prier beaucoup, il prie, il juge les esprits de mort, il tape les esprits, il condamne. Après il se repose, le démon revient. Tu vas mourir. Au nom de Jésus, je ne meurs pas. Je taille en pièces. Je prie. Je bannis l'avortement. Toutes les prières qu'on a élevées ici, là, il élève tout ça le même jour. He lifts all these prayers the same day. Après, il dit, je veux prier. Then he says, I will pray. Pour l'évangélisation. For evangelism. Je veux prier que les portes s'ouvrent. I want to pray that doors open. Il prend sa chaise, il dépose. He takes his chair. Il commence le premier sujet. And he starts the first topic. Oh Seigneur, ouvre-nous les portes oh, de Lord, tel village. Oh Lord, open the door of this village. Le démon dit, tu vas mourir. And non, the je ne meurs pas. Au nom de Jésus. He said, no, laissé, I will not die in the name of Jesus. Il a laissé le but de sa prière. He's au nom de Jésus. Je ne meurs pas. Je vis. Je vis. And he's going to say, in the name of Jesus, I shall not die. I live. I live. I live. Je vis. Je ne meurs pas. I live. I won't die. Le diable observe. The devil is looking at him. Dès que tu finis. Once you finish, tu vas mourir. You will die. Dis non. Say non. No. Je ne mourrai no. pas, je vivrai. I won't die, I will live. Il faut être un homme qui réfléchit. You need to be a man who thinks. Alléluia. Praise the Lord. Lis pour nous Proverbes. Read for us Proverbs. Proverbes 8, verset 12. Proverbs 8,
Proverbe chapitre 8, le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Amen. Amen. Proverbe chapitre 8, verset 12. I, wisdom, dwell together with prudence. I possess knowledge and discretion. Amen. Moi, la sagesse. I, wisdom. J'ai pour demeure le discernement. I dwell in prudence. Et je possède la science de la réflexion. And I possess the science of reflection. Dieu notre Père. God our Father. Nous devons demeurer dans le discernement. We must remain in discernment. Nous devons être les gens qui possèdent la science de la réflexion. We must be people who possess the science of reflection. C'est-à-dire des gens en qui les interrogations habitent, les questionnements. Meaning people in whom questioning and interrogation dwell. Le pourquoi, le comment, le où, why, how, pourquoi, where. Pourquoi. Ça doit habiter. It must dwell in you. Qui? Who? Pourquoi? Why? Je veux mourir. Qui parle? I will die. Who is speaking? Est-ce Jésus de Nazareth? Tu is it Jesus wow! Christ of Nazareth? Boom, you will hear, oh! And the demon has left. Quand tu lis la Bible, Josué demande à l'ange, tu es de notre ou bien tu es de nos ennemis? Demande à l'ange, est-ce que tu es de notre? Joshua asked the angel, are you with us or against us? Un enfant de Dieu, tu dois éprouver les esprits. A child of God, you must try the spirit. Tu dois éprouver les esprits. You must try the spirit. La Bible dit éprouver les esprits. The Bible says that you must test the spirit. N'accepte pas toutes les voix que tu entends. Don't accept all the voices that you hear. Job a été béni. He was blessed. Pourquoi? Why? Il a éprouvé ses amis. He tested his friends. Il a éprouvé ses amis. He tested his friends. Le diable voulait passer par ses amis pour l'égarer. The devil wanted to go through his friends in order to mislead him. Il a refusé. He refused. Lis Job chapitre 4 à partir du verset 12. Job 4 verse 12. Job chapitre 4 à partir du verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. A word came to me. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Il était couché, c'est un ami de Job. Ils sont partis pour rendre visite à Job. It was a friend of Job. They went to visit him because he was sick. Quand ils sont arrivés, when they got there, ils ont trouvé Job dans un état pitoyable. They met Job in a miserable state. Ils n'ont même pas eu le courage ni la force d'ouvrir leur bouche. They didn't even have the courage nor the strength to open their mouth. La souffrance de leur ami était très grande. The suffering of their friend was very terrible. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Eux-mêmes qui sont partis, ceux-là même qui sont partis pour encourager leur ami. Those who left to go and encourage their friends sont tombés dans un état de dépression. They fell in a state of depression. Ils ont pris la poussière, ils ont lancé sur leur tête. They took dust and threw it upon themselves. Ils ont fait 7 jours et 7 nuits sans parler. They spent 7 days and 7 nights without speaking. Le diable pouvait s'approcher d'eux. The devil could come close to them. Parce que c'est des gens comme ça que Satan aime. Because this is the kind of people that Satan loves. Des gens qui perdent la parole. People who lose their word. Qui perdent le discernement. They lose discernment. Qui oublient les enseignements. You forget the teachings. En cas de malheur. When you're going ils oublient les promesses de Dieu. You forget about the promises of God. Les exhortateurs. They encourage those who encourage. Qui pleurent plus que la personne qui est malade. Who cry more than the person who is suffering. Qui prennent la poussière et lancent sur leur tête. Who carry dust and pour on their heads. Ils déchirent leurs habits. They tear their clothes. Eux qui devaient l'encourager. Those who were to encourage him. Quand le diable a vu ça, when the devil saw this, il est allé auprès de Eliphaz, un ami, l'un d'entre eux. He went towards Eliphaz, one of his friends. Quand
Il a parlé à Eliphaz. À Eliphaz. When he spoke to Eliphaz. Read. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et de quand les gens, à l'heure où les gens ont souvent les visions. In the time when people have visions. Quand les gens sont plongés dans un profond sommeil. When people are deep in sleep. Un esprit s'est approché de lui. A spirit came towards him. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Vous-même vous sentez déjà que ce n'est pas normal ça. You feel that it's not normal. Un esprit qui fait que tes cheveux se dressent sur ta tête. A spirit that will make your head to stand straight on your qui head. Qui te remplit de frayeur. Which fills you up with fear. Tu dois savoir que ce n'est pas le Saint-Esprit. You must know that it is not the Holy Spirit. Quand Jésus était dans le monde. When Jesus was in the world. Quand il s'approchait de ses disciples physiquement. When he came close to his disciples. Il disait que la paix soit avec vous. He said, peace be unto you. L'Esprit de Jésus ne trouble pas les gens. The spirit of Jesus does not trouble people. L'Esprit de Jésus ne sème pas la terreur. The spirit of Jesus does not put terror. Il y a des gens qui disent, il faut que je parle, il faut que je parle. Dieu veut que je parle. Si je ne parle pas, il va me frapper. Et s'il parle. L'éternel. Tais-toi. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. That's not the spirit of God. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. It is not the spirit of God. Le Saint-Esprit ne sème pas la terreur. The Holy Spirit doesn't place terror. Il te maltraite parce que tu ne veux pas prophétiser. He treats you because you don't want to prophesy. Read. Tous mes cheveux se hérissèrent. Tous les cheveux se hérissèrent. All his hair was standing. Quel est cet esprit qui s'approche de moi et mes cheveux se dressent. What is that spirit that comes close to me and my hair stands up? Et le frisson remplit mon être. And I shiver. Continue. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Après, il regarde. Then he looks. Il ne connaît pas cet homme-là. He doesn't identify the man. Il voit la figure. He sees the face. Il ne sait pas si c'est un animal ou un homme. Il ne sait pas. He sees the shape. He doesn't know whether it's an animal c'est un or ange a man. Ou bien un sorcier. Il ne sait pas. Is it an angel or a sorcerer? He doesn't know. Continue. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Et puis l'esprit a parlé. And then the spirit spoke. Qu'est-ce que l'esprit lui a dit? What did the spirit tell him? L'homme serait-il juste devant Dieu? L'homme serait-il juste devant Dieu? Can a man be righteous before God? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Will he be pure before the eyes of him that has made him? Vous comprenez? Etc. etc. Ce démon-là. This demon. Voulait détruire le témoignage que Dieu a rendu de Job. Wanted to destroy the testimony that God gave concerning Job. Dieu avait dit à Satan. God told Satan. Que Job craint Dieu. That Job fears God. Il est juste, il est intègre. He il is est droit. Righteous and full of integrity and upright. Qui se détourne du mal. That he turns away from evil. Et le diable était fâché. And the devil was angry. D'entendre ce témoignage-là. To hear this testimony. Il a dit à Dieu. He told God. Job peut te maudire. That Job can curse you. Parce que c'est toi qui protégeais ses biens. C'est pour ça qu'il te craint. Because you were the one who was protecting his wealth. That is why he fears you. Tu gardes tout ce qui lui appartient. You keep everything that belongs to him. Donc, il te craint pour ça. So he fears you because of that. Dieu lui a dit non. Il a dit à Dieu, si je touche à ses richesses, tu vas voir. God said no. He told God, if I touch his wealth, you will see. Dieu lui a dit, va toucher.
God said, go and touch. En un jour. In one day. En une heure. In one hour. Il a frappé tout ce que Job avait. In an hour, he struck down everything that Job possesses. Job est resté intègre. Job remained with integrity. Il est revenu. He came back. Il dit, c'est parce qu'il se porte bien physiquement. He said, it's because you have given him physical health. Il dit, moi je connais les hommes. Si tu touches à leur vie, tu vas voir. He said, me I know men. If you touch their life, you will see. Dieu dit, va mais ne lui donne pas la mort. Va toucher. He said, go and God told him, go and touch, but don't kill him. Il a rempli le corps de Job des ulcères. He gave ulcers, wounds on Job's body. He stood firm. Et il voit les amis de Job. And he sees the friends of Job. Il constate qu'il y a un d'entre eux. He notices that there is one among them qui peut être manipulé par les démons. Who can be manipulated by demons. Et il est donc venu pour parler à Eliphaz. So he came to speak to Eliphaz. Il lui dit. He tells him. Pour parler comme des hommes. To speak like men. Dieu dit que Job est juste. God says that Job is righteous. Est-ce qu'un homme peut être juste devant Dieu? Can a man be righteous before God? Quand Eliphaz s'est réveillé, when Eliphaz got up, il dit à Job, he told Job, tu as péché. You have sinned. Job dit, Job says, je n'ai pas péché. I have not sinned. Eliphaz dit, Eliphaz says, tu as péché. You have sinned. Tu as péché. You have sinned. Du chapitre 4, from chapter 4, jusqu'au chapitre 38, ne font qu'accuser le monsieur. To chapter 38, they are just accusing Job. Mais Job a tenu ferme. Job stood firm. À un moment donné, il a dit. At a given time, he said. Je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier sur la terre. I know that my redeemer will get up on earth. Il a dit, mes yeux le verront. Say, my eyes will see him. Et non ceux d'un autre. Et non ceux d'un autre. And not those of another one. Un homme comme Job ne peut pas être dépressif. A man like Job cannot suffer from depression. Il n'avait que la peau, il n'avait plus la chair. He only had his skin. He didn't have flesh any longer. Il dit à ses amis, vous êtes des consolateurs fâcheux. He told his friends that you are angry counselors. Il dit, moi aussi j'ai la sagesse. He said, I also have wisdom. Je connais, il dit, tout ce que vous dites là, je connais ça. That everything that you're saying, I know it. Il a cité au moins 30 choses qu'il avait décidé de ne jamais faire. He named and he listed 30 things that he had decided never to do. Il y a des gens ici. There are people here. Si le diable vient et dit que tu vois, tes péchés ne sont pas pardonnés. Ils vont reprendre la repentance et le baptême. If the devil comes and says, you see, your sins are not forgiven, they will start repentance and baptism all over. Tu lui dis, ton cas, toi, ta repentance est bien, c'est propre. Il dit, non, je sens qu'il faut que je prie encore bien. Ils aiment entendre qu'ils sont mauvais. Quand le diable dit, vous êtes mauvais, il dit, oui, Seigneur, pardonne-moi, je suis mauvais. That your repentance is good. They like to hear that they are evil. And when you tell them, they say, Lord, forgive me. Quand on dit, vous êtes des enfants de Dieu. When they say, you're children of God. Dieu vous a élu depuis la fondation du monde. God has chosen you since the foundation of the earth. Ils dorment. They sleep. Ça ne leur dit rien. It means nothing to them. Si tu dis. But if you say. Tu as maudit Dieu. You have cursed God. Repent-toi. Repent. Vous savez, quand Dieu t'a pardonné, you know, when God has forgiven you, ne confesse plus ça à ses oreilles. Don't confess it again to his hearing. Il y a beaucoup de péchés. Tu peux chercher d'autres, pas celui que tu as déjà confessé et abandonné. There are many sins. You can look for the others, not the one that you confess and forsaken. Sauf si tu ne t'es pas repenti. Unless you have not repented. Et tu pratiques. And that you practice it. Quand on pratique, on n'a même pas besoin de se repentir. Parce que tu es encore dedans. When you practice, you don't even need to repent because you're still in it. Mais si Dieu est témoin. But if God is a witness. Que tu as confessé le péché. That you've confessed sin. Et que tu l'as abandonné. And that you've forsaken it. Tu es passif si tu reconfesses la même chose. You are passive if you confess it again, the same thing. Et tu verras que tu ne deviens pas fort en le faisant.
And you will notice that you're not strong while doing it. Vous savez, you know, pour être un pasteur, in order to be a pastor, un vrai pasteur, a true pastor, il faut connaître Dieu. You must know God. Il faut aimer les hommes. You must love men. Il faut aimer les hommes. You must love men. L'homme, man, est faible. Is weak. Si tu dis à l'homme, if you tell a man, prends le chapelet, take the rosary, tourne, turn it, il va faire. He will do it. C'est vrai ou c'est faux, il va faire. It's true, it's false, or he will do it. Tu lui dis que ton chapelet est court. If you tell him that your rosary is short, cherche celui qui est long. Take a longer rosary. Il va chercher. He will look for it. S'il ne trouve pas, il fabrique. If he doesn't find, il en fabrique. He will make it. Homme est faible. Man is weak. Tu dis à l'homme, prends les bougies. You tell man, take candles. Fonds les bougies là, tu prends le pain, tu trempes dans le liquide là, tu manges. L'homme va le faire. And you say, melt the candles and put it in bread and eat it. Man will do it. Il dit, je bois le sacrement. Say, I'm drinking the sacrament. Tu dis à l'homme, mets-toi à genoux du matin jusqu'au soir. You tell man, kneel down from morning to evening. Dieu va te pardonner. God will forgive you. Tu vas trouver quelqu'un qui a genoux du matin jusqu'au soir. You will find someone kneeling from morning to evening. Pour aider les hommes. In order to help men, faut aimer les hommes. You must love them. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si ce qu'on enseigne, c'est que si on t'a baptisé, what we are teaching is, if you have been baptized sans repentance, without repentance, le jour où tu vas te repentir, the day you're going to repent, il te faudra faire le vrai baptême. You must do the genuine baptism. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Because you shouldn't confuse things. Il y a des gens qui ont été baptisés sans avoir connu la vraie repentance. There are people who got baptized without knowing true repentance. Ils n'ont pas confessé leurs péchés. They didn't confess their sins. On ne les a pas amenés à voir leurs péchés. They didn't open their eyes to see their sins. À les confesser. And to confess et them. À les abandonner. And to forsake them. Non. No. Ils sont venus. They came. On a dit Jésus est bon. They said Jesus is good. Ils ont dit oui. They said yes. On les a trempés dans l'eau. And they soaked them in water. Ce que nous faisons, what we are doing, c'est que nous prêchons Jésus de Nazareth. Is that we preach Jesus Christ of Nazareth. Tous ceux qui acceptent Jésus, all those who accept Jesus, doivent se repentir envers Dieu. Must repent towards God. Et doivent se convertir à Dieu. And must be converted to God. Là, c'est authentique. This is genuine. Donc, ce soir, so this evening, les gens qui ne saluent pas les autres, les gens qui boudent, les bouder, c'est être dans un état dépressif. Those who don't greet others. Those who don't greet others, they are in a depressive situation. Donc, supposons que ton frère te dise bonjour. Imagine that your brother greets you. Ne réponds pas. And you don't answer. Un état dépressif. It is a depressive state. Un homme normal. A normal man. Ne peut pas faire. Tu lui dis bonjour, il ne répond pas. You say good morning, he doesn't answer. Un homme normal. A normal man. Ne se fâche pas comme un petit gamin. He doesn't get angry like a little boy. Les petits enfants quand ils sont fâchés, ils tombent par terre, ils lancent les pieds. The little children, when they are angry, they fall on the ground and they lift up their legs. En regardant comment la mère va réagir. And they are looking at how the mother is going to react. Et la maman s'en va les soulever,
and the mother will go and pick them up. Beaucoup de réactions. Many reactions. Sont des états dépressifs. They are depressive states. Les démons font d'autres choses. Demons will do other things. Ils peuvent faire qu'il y ait beaucoup de salive dans ta bouche. They can make that you have a lot of saliva in your mouth. S'il y a une salivation abondante, c'est la dépression. If there is a lot of saliva, abundant saliva in your mouth, it is depression. C'est un état dépressif. It is a depressive state. De la dépression. It is a symptom of depression. Si tu es entêté, if you're stubborn, c'est un symptôme de la dépression. It is a sign of depression. Les dépressifs sont entêtés. Those who are suffering from depression are stubborn. Tu lui dis laisse zéro, il ne laisse pas. You say leave it, they say no. Tu dis viens, il ne vient pas. You say come, they don't come. La peur, la frayeur. Fear, fright. L'angoisse. Anguish. Enveloppe le dépressif. It surrounds the person suffering soir, from depression. This night, si tu traverses ces états, if you're going through this stage, tu vas saisir le Seigneur. You're going to lay hold of the Lord. Dis, oh Seigneur Jésus. And you're going to say, oh Lord Jesus. Toi qui donnes la paix. You who gives peace. Toi qui donnes le repos. You who give rest. Je suis malade. I am sick. Dans mon âme. In my soul. Dans mon psychisme. In my psychiatric being. Toute ma personnalité est troublée. All my being is troubled. Je ne suis pas serein. I don't have serenity. J'ai peur de tout. I am afraid of everything. J'ai peur de tout. I am afraid of everything. Je crains tout. I am afraid of everything. Tout m'effraie. Everything fears me. Comment on peut dire à quelqu'un, n'est-ce pas, tu es une Chinoise, et dit oui. How can they tell someone you are Chinese and she says yes? Dis au Père. Say, oh Father. Restore mon discernement. Restore my discernment. Restore ma réflexion. Restore my reflection. Dis Père. Say Father. Je suis malmené par les démons. I am ill-treated by demons. J'entends les voix. I hear voices. Je vois des images. And I see images. Je vois des signes. I see signs. Qui m'effraient. Which frightens me. J'ai peur là où les petits enfants jouent. I am afraid when little children play. Là où les faibles même partent s'amuser, moi je viens trembler. Where the weak people go and play, I tremble. Commence à prier, tiens-toi debout. Start praying, stand up. Prie, parle à Dieu, dis, sors-moi de cet état. Pray, speak to God and say, bring me out of this state. Si tu connais quelqu'un, if you know someone, qui vit dans ces états, who is living in this state, prie pour la personne. Pray for the person. Commence la prière. Start praying. Sors, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Come out and be gone, be gone. Partez, 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 partez.
dit au nom de Jésus, que le calme revienne dans tout esprit désorganisé, dans toute âme troublée, dans toute âme troublée, que la paix revienne, que la paix revienne. Continue à prier. Keep praying. Dieu et toi, démon, say you, demon, qui produit la peur, who produces fear, va-t'en, esprit de peur, you spirit of fear, et d'angoisse, va-t'en, 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 va-t'en. Prions en langue. Du nom de Jésus. Toi, esprit méchant, you wicked spirit, qui est venu pour affaiblir la réflexion, who came in order to weaken, tu es venu empêcher de réfléchir, who came to hinder me from thinking, tu es venu empêcher de réfléchir, who came to hinder me from thinking, tu es venu empêcher de réfléchir, who came to hinder me from thinking, va-t'en, because, va-t'en, because, nous libérons toute intelligence, nous libérons toutes les intelligences. Nous libérons tous les intelligents. Continue à prier, continue à prier. Keep praying. Pose les mains sur ta tête, dis au nom de Jésus. Lay your hands on your je restaure head. Mon intelligence. Jesus, I restore my je juge toute attaque I judge every attack. Contre ma capacité de discerner. Against my ability to je discern. Juge toute attaque I judge every attack. Contre ma capacité de réfléchir. Against my ability to think. Et de comprendre. And to understand. Continue à prier pour toi-même. Keep praying for yourself. Tu peux t'asseoir. You can't be seated.
soit restauré. Be restored. Que ton intelligence soit restaurée. Let your mind be restored. Que ton intelligence soit restaurée. Let your intelligence be restored. Que ta capacité de méditer soit restaurée. Let your ability to meditate be restored. Tu ne sois plus parmi ceux qu'on peut tromper. You should no longer be among those who can be deceived. Que la lumière du Seigneur Jésus luise dans ton esprit. Let the light of the Lord Jesus shine in your mind. Et si un dépressif, and if there's someone suffering from depression, je déclare que tu es guéri. I declare that you are healed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Si tu es dépressif parce qu'on t'a envoûté, if you're suffering from depression because you've been bewitched, que ton âme est en prison, and your soul is in prison, je déclare, I declare, au nom de Jésus, in the name of Jesus, that you je casse la prison, and I break the prison, je casse tout endroit, I break every place, on a gardé ton âme captive, where your soul has been kept captive. Toi dont la dépression a pour origine un envoûtement. You whom depression originates from bewitchment. Envoûtement. Bewitchment. À travers les dons. Bewitchment through gift. Envoûtement. Bewitchment. À travers les pratiques sacrificielles. True sacrificial practices. Des sacrifices rituels. Ritual sacrifice. Avec organes humains. With human organs. Ou avec des animaux. Or animals. Va-t'en, esprit méchant. Be gone, wicked spirit. Va-t'en. Be gone. Avant qu'on continue, qui a un témoignage sur cette prière sur la dépression? Before we move on, who has a testimony? Bien rapidement. On this prayer of depression, quickly. Vous restez concentré. Ce n'est pas une pause. Remain focused. C'est le combat qui continue. It is not a break. The battle is on. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwadiane. Quand le pasteur a dit tout à l'heure, quand il a prié, pour renouveler d'abord, que nos intelligences soient renouvelées. Et puis, j'ai vu comme si on était là, il fait sombre. Mais c'est comme s'il était, il était midi, 13 heures, un soleil avec une lumière éclatante qui est descendue sur tout le monde, en dessous toutes les bâches. Et quand, il a commencé à, quand on a commencé à prier pour les dépressifs, les dépressifs dont l'âme a été enfermée. J'ai vu que des âmes des dépressifs étaient certains, étaient enfermées dans des calebasses. J'ai vu une calebasse où il y avait l'âme d'une personne enfermée. La calebasse était attachée et d'autres dans une bouteille.
Dans, oui, c'était dans une bouteille, un grand verre enfermé, et l'autre, c'était dans une calebasse. Je dis merci à Dieu qui a révélé ces choses pour pouvoir guérir ces personnes au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand on était en train de prier pour aller contre les esprits de dépression, je voyais une grande épée à double. Les deux côtés étaient tranchants. Et l'épée était grande et large qui balançait, qui balançait, qui balançait, qui balançait. Et après, quand on a commencé à prier pour restaurer l'intelligence, je voyais de l'huile qui sortait, qui quittait dans le ciel pour descendre sur la tête de chaque personne ici, dans, ici présent. Chaque personne recevait de l'huile sur la tête, recevait de l'huile sur la tête. Je bénis le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Je me nomme Adopose puis Juliette. Je vous fais des pasteurs qui prient d'Ayamé. Quand on priait, je lui ai dit que depuis que je suis venue à Tiekwa, je ne rêve pas. Ma conscience est troublée. Je ne sens pas odeur. Au moment où papa priait, j'ai vu une main à ma gauche dans mes yeux et une tête ici. Et j'ai commencé à bâiller. J'ai commencé à bâiller, j'ai commencé à bâiller. Je veux dire merci à Dieu, le roi des rois, qui m'a délivré de l'oppression parce que je suis fatiguée. Oui, il m'a délivré aussi de cancer de cerveau à cause de ce voile que j'ai mis sur ma tête. Donc je veux lui dire merci de tout mon cœur. Je l'aime, Jésus-Christ, je t'aime. Je vais chanter pour toi jusqu'à ma mort. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je suis le frère Sadia Gué d'Orgilès. Mon fidèle disciple, c'est la sœur Nguessan Rachel. Il faut dire que quand le pasteur Meunier il a pris la parole, dès qu'il a dit la dépression, frère, j'ai commencé... Je ne peux plus tenir. J'étais là. Je voulais me lever pour aller pour me diriger vers le ministère de la délivrance. Mais j'étais assis. Et quand, lorsqu'il parlait encore, j'ai commencé à fermer mes yeux. Quand j'ai fermé mes yeux, c'est là maintenant, c'est comme si je vais dormir. Et quand il insistait, je me forçais pour revenir à moi-même. Mais c'était difficile. Et quand on a commencé la prière, on a commencé à juger l'esprit, je voyais que la douleur qui était au niveau de ma tête ici, derrière ici, ça a commencé à partir. Et après encore, quand on priait, j'ai fermé les yeux. Et je voyais comme si quelque chose qui était au ciel, comme du sable blanche, ça versait au milieu de ma tête ici. Et quand nous avons fini la prière, je me sens léger, la douleur est passée. Je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ, qui est lui qui m'a vraiment délivré ce soir, que l'honneur et la gloire lui reviennent. Au nom de Jésus-Christ, amen. Au nom de Jésus, moi c'est la sœur Georgette. Je n'ai pas de témoignage tout de suite, mais moi je veux expliquer un peu ce que j'ai vécu quand j'avais la dépression. Non. Je veux être sérieuse. Aujourd'hui, il n'est rien, mais tout était jaune. Attends. Laisse avoir le témoignage. Gloire à Dieu. Je te bénis. Je suis Yeboué Aya Rachel, pasteur Kwawe Emmanuel, mon faisant des disciples. Je vais expliquer ce que j'ai vu pendant la prière. Lorsque nous étions en train de prier, d'abord, j'ai vu un oiseau sortir de ma poitrine. J'ai tiqué. Et après, j'ai vu d'autres oiseaux sortir de ma tête. C'est tout ce que j'ai vu. Amen. Tu es délivré. You're delivered. Gloire à Dieu. Lorsqu'on priait, lorsque papa expliquait comment la dépression se manifeste, j'étais assis là. Dans mes promenades de chercher des délivrances dans les dénominations, je suis allé dans une dénomination. On laisse là-bas, dis ce qui s'est passé, parce que nous sommes en prière. D'accord. Ce que je veux dire est que quand soit je suis assis comme ça, j'attends des voix. Mais quand on a commencé à prier, ces voix-là ont disparu. Les voix ont disparu. Donc, je crois que Jésus-Christ m'a délivré de la dépression. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre sœur Dali Noël Patricia et mon frère ici, c'est le pasteur Enoch Oka. Frère, il faut dire que depuis le renversement des principautés l'année passée, quand je m'assois sous les bâches là, je vois tout le monde nu. Je vois tous les frères, tous ceux qui passent là, je les vois nus. Et je me lève, je vais marcher. Et c'était comme ça tout le temps. Et
cette année encore, c'était comme ça. Je voyais tout le monde nuit. Et quand je prie comme ça, il y a une voix qui me dit, toi, tu vois les frères nuit, et puis tu pries, le Seigneur ne va pas t'exaucer. J'arrête de prier. Et ça persistait. Je suis allée voir le service de délivrance qui m'a dit d'envoyer mon cahier de brisement de l'église à l'air effet. Et hier, avant-hier d'abord, dans la nuit, je me culpabilise. J'entends des voix qui me culpabilisent. Donc là, je suis sortie, j'ai supplié Dieu. Près de 2 heures du temps, j'ai fini, je suis partie dans la maison. À peine me coucher, il y a une voix qui me dit, tu es sûr que Dieu t'a pardonné. Je suis sortie encore, j'ai marché en prière, j'ai supplié Dieu, je supplie Dieu seulement, mais à l'intérieur de moi, je ne suis pas convaincue que le Seigneur m'a pardonné. Et aujourd'hui, hier nuit, j'ai causé avec un frère. Il a dit, frère, je ne sais pas ce que moi, là, j'ai fait une vraie repentance. Et il a dit, j'entends dans ma tête, repentance, repentance. Donc il a dit, aujourd'hui, je vais appeler mon frère d'ici pour lui dire que, papa, je veux refaire ma repentance. Et c'est hier, j'ai pris cette décision. Et à peine je me suis assise, papa commence à parler de ça. Et je ne comprenais pas. Parce que si on finissait net là, je partais appeler mon frère d'ici, je partais lui dire, papa, je veux refaire ma repentance. Et ça, c'était comme ça, comme ça. Et tout à l'heure, quand papa a élevé le sujet, j'ai pris ce sujet à cœur, j'ai commencé à prier. Et je vois comme une fumée rouge qui sortait de mes yeux comme ça, qui sortait de mes yeux. Donc, je veux bénir le nom du Seigneur. Délivré. Au nom de Jésus-Christ. Deliver. Amen. Tu es délivré. You are delivered. Tu es délivré. You are delivered. Qui d'autre a un témoignage parmi ceux qui souffraient de pensées dépressives? Who else has a testimony among those who are suffering from depressive thoughts? Qui vient d'être délivré comme elle? Who has just been delivered like her? Oui, donne-lui le micro. Il faut que tu saches comment Dieu travaille. Gloire à Dieu. You need to know how God works. Et je suis la sœur Zinon Grace Bénédicte, je faisais des disciples pasteurs à Boussou. Il faut dire que avant, j'ai reçu témoignage tout de suite, mais il y a une fois qui me disait ne va pas, ne va pas. Et quand j'ai fini de rendre mon témoignage, j'ai commencé à trembler et je me suis dit, qui m'a dit d'aller là-bas? Qui m'a dit d'aller rendre mon témoignage? Et il y a une voix qui me dit, tout le monde va te regarder. Quand je vais partir à la maison, je vais arriver là-bas, je vais rentrer dans la maison et je ne vais plus sortir pendant des jours. Donc c'est comme ça, je suis arrivée, j'étais assise et j'ai commencé à trembler et je ne pouvais plus respirer. Mon cœur battait tellement fort. Donc c'est comme ça, papa a... Dès qu'il a employé le sujet, en même temps, il a commencé à prêcher. Quand il a commencé à prêcher, mon cœur est devenu relax. Donc, quand on a commencé à prier même, on m'envoyait derrière là-bas. Et ils ont commencé, les fonds ont commencé à prier. Parce que j'entendais des voix, j'ai commencé à taper mes oreilles. Donc, en même temps, il y a comme des fumées de feu. Bois, ce qu'on allume là, c'est sorti de mes narines. Je vais dire merci au Seigneur qui vient de me délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Les deux, la fumée sort. Both of them, smoke is coming out. C'est comme ça que Dieu bâtit l'église. This is how God builds up the church. La dépression est partie. Depression left. Le premier, fumée rouge. The first one was a red smoke. L'autre, c'est la fumée, mais elle devait être un peu noire. The other one was a smoke, but a little bit dark. Gloire à Dieu. Je suis la sœur épiphanique à Dieu, mon faiseur des disciples, c'est le pasteur Assali. Tout à l'heure, quand le pasteur a commencé à prier, parce que souvent, quand je suis avec mes sœurs, souvent, elles ne parlent pas avec moi. Donc, quand je les vois en même temps, j'ai peur, mon cœur commence à brûler, je sursaute sur moi. C'est comme ça. Quand quelqu'un même dit, je ne parle pas avec toi, je commence à sursauter. Quand je vois la personne, j'ai peur. Tout à l'heure, quand on était en train de prier pour la dépression, j'avais fermé les yeux. Après, j'ai ouvert mes yeux. J'ai vu un feu qui est sorti de ma poitrine et le feu est parti. Je veux dire merci à ce grand Dieu qui m'a délivré de la dépression. Le feu et la fumée, c'est la même chose. Que toute l'honneur, la gloire lui revienne. Amen. Délivrance authentique. Genuine deliverance. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Moi, mon témoignage, c'est un remerciement parce que le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Quand? Tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, au moment où le pasteur priait et puis où les semeurs chantaient.
Au moment où on parlait, c'est là, j'ai eu mal de ventre. Une douleur, une grosse douleur même au niveau de mon bas ventre. Mon ventre a commencé à me faire mal pendant le témoignage. Après, ça a commencé à me faire mal jusqu'à quand ça a duré. Et après, quand le pasteur parlait de la dépression, la même douleur est revenue encore. Ça a commencé à me faire mal jusqu'à quand je suis tombée sur mes genoux. Et vers ma partie intime là, c'est comme quelqu'un voulait accoucher, ça me faisait très mal. Et après, quand je suis tombée, je me suis retrouvée à la délivrance, les gens ont prié pour moi. Vraiment, je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a délivrée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que la dépression, en tout cas, c'est ce qui me fatigue que je suis venue à Kekwa ici. Je suis quittée à Yabayo par le pasteur de Yabayo. Depuis quand je suis venue, quand je suis à la maison, quand je dors, il y a un truc qui rentre dans ma tête. Ça pénètre ma tête et puis je n'arrive pas à réfléchir. Quand je suis venue, ça commençait à aller. Jusqu'à le 12, ça commençait encore. Quand je dors là-bas, là, au ravisant des 22 heures, ça commence à rentrer dans ma tête. Ça prend tout mon corps, je n'arrive pas à dormir. Hier même, là, je me suis couchée là-bas, ça m'a pris à 22 heures. Je suis partie me coucher là-bas, c'est la même chose, ça m'a pris. Matin, là, j'ai encouragé les gens de délivrance, là, ils ont prié pour moi. En tout cas, quand papa a commencé à prêcher là, toute ma tête me fait lourd, mon cœur est serré, parce que quand ça pénètre, ça tire mon cœur. Et puis ça serre mon derrière. Je rends gloire à Dieu au nom de Jésus. Parce que quand papa a fini de prêcher, je sens que ma tête est devenue faible. Et puis tout ce qui me sert là, ça va. Je rends gloire à Dieu au nom de Jésus. Amen. Qui autre vient d'être délivré de la dépression? Who has just been delivered from depression? Nous allons prier. We are going to pray. Tenons-nous debout. Let's stand up. Oui, vas-y. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Jacqueline. Le Seigneur vient de me délivrer tout à l'heure. Alléluia. Frère, j'avais le problème de la dépression. Et ça faisait que je m'isolais beaucoup. J'entendais même des voix qui me parlaient. Et ça faisait que je m'isolais beaucoup. Et pour ce jour-là, même cette nuit, j'ai fait un songe où j'ai vu mon enfant, ma fille, qui était morte dans le songe. Et j'étais troublée. Et elle s'est réveillée après. Je me suis réveillée le matin, frère, travaillant, faisant le culte matinal, mais avec l'esprit troublé. Même étant assise là, je me suis levée, je suis allée au ministère aux agneaux. J'ai pris l'enfant, j'ai prié, mais j'étais troublée. Lorsque papa a commencé la prière sur la dépression, j'ai eu un léger sommeil. Frère, je n'arrivais pas à me tenir. Je voulais forcément dormir. Et j'ai entendu une voix qui a... Il y a un bruit qui a fait... Boum, ça m'a ramené à moi-même. Je suis restée éveillée. Et quand papa a continué la prière, je n'ai pas pu me tenir sur mes pieds. Je me suis assise. C'est une vapeur qui est sortie de moi totalement et qui m'a libérée. Gloire à Dieu. Je me sens léger. Je me sens bien. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamation. Clap offering. Délivré. Delivered. Une vapeur est sortie d'elle. A smoke came out, a vapor came out of her. Continue. Gloire à Dieu. Je me nomme Annick Roudé. Au faiseur des disciples, c'est Maman Rukuna. Je remercie Dieu, Jésus-Christ qui vient me délivrer. La dépression. Il faut dire que c'était un moment, j'ai une voisine qui m'avait demandé le reste de mon pot de défrisage. Et depuis lors, j'ai commencé à perdre la mémoire. Et avec la prière, et ça a commencé à aller. Mais je ressentais toujours des douleurs au niveau de mon cerveau. Et tout à l'heure, quand on priait, et papa disait l'intelligence, que Dieu restaure l'intelligence. Et quand il a dit ça, du coup, j'étais concentrée et j'ai senti une force qui est sortie de mon cerveau. Et je remercie Dieu pour cette délivrance.
Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Je me nomme la sœur Eunice pour faire des disciples le merveilleux pasteur Sally. Il faut dire que ça fait au moins quelques semaines que quand je suis là, je me sens triste, angoissée. Et je me demande, mais qu'est-ce que j'ai? Et quand mes enfants me font quelque chose, je suis énervée contre mes enfants, je les frappe. Et quand je suis là, je sens dans mon esprit que les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas. Mais quand ça revient dans mon esprit, je me rappelle l'amour que mon Fils me donne. Et ça me fait ressaisir. Souvent, quand je suis là, je suis isolée, je suis triste. Je peux rester dans ma maison toute la journée. Je ne sors pas. Et la femme de mon Fils m'a dit aujourd'hui de venir aller à la prière. Quand je suis arrivée, pendant qu'ils étaient en train de prier, ce mère était en train de chanter pour l'adoration. Je sens dans mon esprit, il faut sortir, il ne faut pas rester au milieu des gens, va l'autre côté là-bas. Et je suis sortie pour aller tourner là-bas, je suis, quand je m'assois là-bas, je suis en l'aise, je suis libre. Mais quand je viens au milieu des frères, je me sens étouffée. Et puis j'entends encore les voix dans mon esprit. Et pendant que je suis venue m'asseoir net, quand papa a commencé à parler et prêcher sur l'esprit et choses, la dépression, l'esprit a commencé à se manifester. Et je suis tombée, les frères sont venus me chercher. Et souvent, quand je suis là, je sens que mon âme est en train de partir. Et quand les frères sont venus me prendre, quand ils ont fini de prier, l'esprit de mort m'a libérée. Et je me sens bien. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur qui m'a délivrée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Mon nom, c'est Kwadio Aou Rebecca Elsa Laure. Mon faisait des disciples, c'est le pasteur Ebenezer. Vraiment, ce soir, le Seigneur m'a délivré de la dépression. Il faut dire que tout le temps, j'ai des mauvaises pensées. Souvent, je pense qu'on ne m'aime pas. En tout cas, je suis troublée. Même lorsque je suis là à prier, je suis troublée. D'autres sujets me viennent. J'ai plusieurs sujets en tête en même temps. Souvent, même, je me calme et puis je dis, c'est quoi ça? Je ne comprends plus rien même. Donc, ce matin, même, je cherchais un passage sur quoi méditer. Et c'est le Proverbe chapitre 8 que je suis tombée dessus. Donc quand le pasteur aussi a dit, prenons Proverbe chapitre 8, j'ai dit à mes voisines, ah voici ce passage que j'ai maté là, qui m'est venu en cœur, que je devais méditer dessus. Ah, déjà le Seigneur veut faire quelque chose pour moi aujourd'hui. Donc lorsqu'on priait, j'ai senti une fumée noire sortir de ma tête. Donc acclamation à Jésus-Christ. Qui vient de me délivrer de la dépression au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Bakayoko Nzata, mon fils de disciple, c'est le pasteur Théadé Stéphane. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la dépression ce soir. Parce que vraiment, il faut dire qu'il y a très longtemps que je traînais cette dépression. Parce que ma maman avait le même problème, son papa avait ça. Donc, parmi ses enfants, vraiment, je ne savais pas que j'étais dépressif. Souvent, je pouvais faire des choses et puis après, quand moi-même, je constate, après, je regrettais. Et c'est en 2021, à Tiekwa ici, j'ai su que j'étais dépressif. Vu quand papa a commencé à prêcher, mais depuis lors, je priais pour ça. Mais ça ne changeait pas. Souvent, quand je suis en train de causer avec une sœur ou un frère, je vois totalement la personne nue. Et je commence à juger ça dans mon esprit. Et chaque fois, j'attends dans mon esprit, tu vas mourir, ton enfant va mourir. Ou bien, on peut me montrer l'image d'un frère comme ça, pour dire, le frère, là, il va faire accident, tout de suite, il va mourir. Vraiment, ça me troublait. Et chaque fois, je jugeais. Même aujourd'hui, je ne savais même pas que c'était le sujet. Quand je suis venue m'asseoir là, depuis que je suis arrivée, je jugeais, je parlais de ça. J'ai dit au Seigneur qu'il faut que ça s'arrête aujourd'hui, parce que moi, je suis fatiguée. Et vraiment, quand papa a commencé à prêcher, j'ai compris certaines choses. Et après la prière, je vous dis, depuis que je suis assise là, papa est en train d'appeler les gens, les images. Quand je regarde un frère, je le vois habillé correctement. Quand je regarde une sœur, je la vois habillée correctement. Je ne vois plus d'images. Je n'attends plus de voix dans mon esprit qui dit, telle personne va mourir, telle personne, ton enfant va mourir. Je n'entends plus rien. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur qui m'a donné cette délivrance que je cherchais depuis des années. Que l'honneur et la gloire lui revient au nom de Jésus-Christ. Amen.
Tenons-nous debout. Let's stand up. Frappons encore tous ces esprits. We are going to strike all those spirits. Les dépressifs souffrent. Those suffering from depressive people suffer. Certains ont l'insomnie. Some have insomnia. Il y en a qui tremblent. Some tremble. Ils ont peur de tout. They are afraid of everything. Un dépressif peut fuir. Someone suffering from depression. Il entre en brousse. He goes into the bush. Il marche sans arrêt. He works without stopping. Vous voyez la coïncidence? Tous ceux qui ont été délivrés de la dépression ce soir, une fumée est sortie de la tête. You see the coincidence? All those who were delivered from depression, a smoke came out of their head. Les esprits de dépression visent le cerveau de l'homme. I told you that the spirit of depression, they target the brain of man. Ils veulent manipuler le cerveau de l'homme. They want to manipulate the brain of man. C'est ça qui permet de, qui leur permet de d'amener les gens à se déshabiller. That is what leads them to undress themselves. Pour qu'un être humain se déshabille et marche nu. For a human being to undress himself and walk naked. Il faut beaucoup de fumée dans son cerveau. He needs a lot of smoke in his head. C'est ce que nous apprenons ce soir. This is what we've learned tonight. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dépressif. Sois guéri. You suffering au nom de Jésus. Dépressif. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Où que tu sois. Sois guéri. Sois guéri. Petit ou grand, sois guéri, homme ou femme, sois guéri, sois guéri, quelle que soit la cause, quelle que soit la cause, même si c'est un enfoutement, même si c'est un enfoutement, sois guéri, sois guéri, même si c'est le résultat de la drogue, même si c'est le fruit de la drogue, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Au nom de Jésus, démons de dépression, nous vous chassons. Partez, 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 partez. Nous renversons votre royaume. Nous renversons votre royaume. Au nom de Jésus-Christ, continuez à prier. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Vous tous les démons. All the demons. Qui parlaient. Who are speaking. Nous vous chassons. We chase you. Nous vous chassons. We cast you out. De vous qui produisez les images. You produce this image. Nous vous chassons. We cast nous vous chassons. We cast you out. Vous qui produisez les paroles. You produce these words. Les paroles mensongères. Lying words. Nous vous chassons. We cast you out. Nous vous chassons. We cast nous vous chassons. We cast you nous out. Vous chassons. We cast you out. Partez, 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 be partez. God,
Partez. Tu peux t'asseoir. You can be seated. Vous gardez le calme. You keep calm. Concentré, même si c'est le baobab, il faut qu'il tombe. Remain focused, even if it's a baobab, he has to fall. Lève ta main droite. Lift up your right hand. Dis, nous bannissons tout enfoutement. So we ban every bewitchment. À l'origine de la dépression. That is which, from which depression originates. Dis, et toi, esprit de folie. Say you, spirit of madness. Si c'est toi qui es derrière. If you are behind. Tu es jugé. We judge. Va-t'en vite. Begin quickly. Dis esprit de folie. Say spirit of madness. Esprit de folie. Spirit of madness. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Esprit de folie. Spirit of madness. Va-t'en. Be gone. Dépression, 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 va-t'en. Begun. Dépression, va-t'en. Begun. Folie, va-t'en. Madness, begun. Dépression, va-t'en. Depression begun. Gardez le calme. Remain calm. Gardez le calme. Remain calm.
Nous cassons l'envoûtement. We break bewitchment. Tout esprit. Every spirit. À l'origine des voix que les dépressifs entendent. From which voices originate. Des images. Images. Des accusations. Accusations. Des esprits de mensonge derrière la dépression. You lying spirit behind depressive. Va-t'en! Begone! Urubaka shaka rabaka shaka rabaka shaka baka urubaka shara baka habaka shara baka rabaka shaka rabaka shaka rabaka ete rakabaka here oria kere bata 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 urakabaka shaka rabaka shaka rabaka shaka Urabaka sakara baka sakabaka Urabaka sakara baka sakabaka Urabaka sakara baka sakabaka Urabaka sakara kabaka Esprit de mensonge Spirit of lies Esprit de mensonge Spirit of lies Derrière la dépression Va-t'en Sors va-t'en Au nom de Jésus-Christ In the name of Jesus Gardez le calme. Keep calm. Gardez le calme. Remain calm. Le Saint-Esprit travaille. The Holy Spirit is at work. Il vient de me révéler que l'esprit de mensonge soutient la dépression. It is revealed that the spirit of lies telling supports depression. Oui. Vous devez partir. Yes, you must go. Tout esprit de mensonge. Every spirit of lies telling. À l'œuvre. At work. Pour égarer les dépressifs. In order to mislead those who are suffering from depression. Tu vas mourir, tu vas mourir. Telling them that you will die, you will die. Toi qui parles. You who speak. Qui donne des fausses informations. You give fake informations. Qui ment pour oppresser. You lie in order to oppress. Va-t'en! Begone! Vite! Quickly! Va-t'en! Begone! Esprit de mensonge. You spirit of lies. Va-t'en! Begone! Écoutez, dis au nom de Jésus, say in the name of Jesus, esprit de violence, spirit of violence, derrière la dépression, va-t'en, depression begun, esprit de violence, spirit of violence, esprit de violence, spirit of tu es frappé, we strike you, jugé frappé, we judge you, we strike you, va-t'en, begun. Gardez le calme. Keep calm. Gardez le calme. Remain calm. Charme, charme.
Dit esprit de suicide. See, spirit of suicide. Les dépressifs aiment se suicider. Those suffering from depression, they love to commit suicide. Une voix leur dit de monter à l'étage et de tomber. A voice would tell them, go upstairs and fall. Ou bien d'aller dans un pont et de sauter et tomber dans l'eau. To go on a bridge and to jump and fall in the water. Esprit de suicide. The spirit of suicide. Esprit de suicide. Spirit of suicide. Derrière la dépression. Behind depression. Va-t'en. Begun. Va. Go. Esprit de suicide. Spirit of suicide. Esprit de suicide. Spirit of suicide. Esprit de suicide. Spirit of suicide. Va-t'en. Begun. Va-t'en. Begun. Garde le calme. Keep calm. Va-t'en vite. Be gone quickly. Dis esprit de peur. Say you spirit of fear. Vous avez écouté. Elle a dit qu'elle avait peur. You listen, she said she was afraid. Dis esprit de peur. You spirit of fear. Derrière la dépression. Of depression. Be gone quickly. Sorry, va-t'en. Come on and go. Va-t'en vite. Be gone. Uru bakasa gara bakasa gara bakasa. Gardez le calme. Keep calm. Il y a un témoignage. Who has a testimony? Sur les prières qu'on vient de faire. From the prayers we just did. Viens vite. Come quickly.
Dieu. Ça va comme ça. Moi, c'est la sœur Koudou Ojedidia. Quand j'étais venue m'asseoir pour suivre la croisade, mon cœur était dans la paix. Mais arrivé un moment, j'ai vu que mon cœur était comme si attaché. J'ai commencé à prier, Seigneur, c'est mon cœur, c'est ma poitrine, détache le Seigneur. Ceux qui sont debout là, venez, venez, ne vous levez plus. Et vu que j'avais la peur un peu pour vouloir rentrer même. Et j'ai commencé à prier, mais comment pas prier. Et j'ai vu que mon cœur s'est détaché. J'ai fait un grand OK. J'ai vu que mon cœur est devenu libre. Je voulais dire merci à Dieu. Amen. Amen. Acclamation. Clap of free. Suivant. Next. Bon, je me présente, je suis le frère Kwasi Landry et j'ai pour disciple, faisant des disciples, la sœur Grâce. Voilà. Il vous est dit que depuis que je suis venu ici, lorsqu'on prie beaucoup, il y a tout le temps un OK. Un OK, un bâillement comme cela. Et depuis que le pasteur Meunier a commencé à prêcher, ça m'arrivait, ça m'arrivait, ça m'arrivait. Mais avant ça, avant que je vienne ici, j'ai fait un songe où dans le rêve, en tout cas, on m'a piqué un couteau à la tête. Et depuis lors, il y avait mal à cet endroit-là. Donc, au moment qu'on priait, j'imposais ma main à cet endroit-là que j'avais mal et je priais et je priais. Et après, j'ai senti une lumière au-dessus de ma tête et c'est comme si la lumière partait. Et suite à cela, je priais encore et il attendait une voix, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas. Et quand il a commencé à dire, va-t'en, va-t'en, il a commencé à crier fort, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et ces mêmes voix-là ont dit comme cela, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Donc je rends grâce à Dieu et je remercie Dieu. Suivant. Next. Gloire à Dieu, je me nomme Kambou Eri Mirai, mon faisant des disciples, c'est Maman Bado. Je veux dire merci à Dieu qui m'a guéri de mal au ventre. À Pasteur Mené prier, il y avait mal au ventre. À Pasteur Mené était là prier pour les maladies. La douleur est calmée au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, je suis la sœur Nana Vanessa Inès. J'ai pour faire des disciples le pasteur Meunier. Faut dire l'année surpassée, j'ai été victime d'un accident de voiture. Et quand le camion nous a percuté, vraiment cette image est restée dans ma tête. Ce qui fait que chaque fois que je suis dans un véhicule et je vois le même camion, je peux m'évanouir, je peux transpirer. Et j'ai tout en peur. Une fois qu'on monte sur le pont, mon cœur commence à battre. Et quand le pasteur Meunier a dit, esprit de peur, il y a une pression qui m'a saisi au niveau du cœur. Et après, ça m'a lâché. J'ai compris que le Seigneur venait de me délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Annick Huébier, mon faisait disciple, l'ancien Loïs Olivier. Lorsque nous étions en train de prier, que Papa Méné a dit que même si c'est l'œuvre de l'envoûtement, que tous les dépressifs soient délivrés, nous avons insisté. Frère, j'ai eu une vision dans laquelle je me suis retrouvée face à une cité. Il y avait plusieurs maisons, mais à l'intérieur de cette cité, il y avait plusieurs personnes. Certains étaient assises, d'autres en tout cas arrêtées, certains bouchaient les oreilles. Se fermer les yeux. Mais j'avais comme une sorte de radio avec un fond sonore élevé. Ces personnes entendaient des bruits, des voix étaient un peu mélangées et autres. Et ces personnes étaient dépressives. Et à un moment donné, il y a une force qui les a toutes propulsées dehors. Ça veut dire qu'elles n'étaient plus dans la salle, dans ces différentes maisons. Et j'ai entendu des bruits, et c'est des pas d'éléphants. Et ça, les éléphants venaient, c'était un troupeau d'éléphants qui venait avec de la poussière. Et ce troupeau d'éléphants est venu à commencer à marcher sur toutes les maisons. C'était des prisons, en fait. Commençait à piétiner les maisons qui étaient les prisons dans lesquelles tous les dépressifs étaient. Donc, ils sont piétinés jusqu'à ce que les maisons soient en miettes. Et le Seigneur me faisait comprendre que c'était des prisons dans lesquelles ces dépressifs-là étaient. Et il a envoyé ce troupeau pour pouvoir détruire toutes ces prisons. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kaku Wilfried Abraham et j'ai pour faire disciple le pasteur Komena Abel. Il faut dire, quand on priait, pour la première prière, j'ai vu une main qui vidait de l'eau sale qui était dans ma tête. La première vision. Et quand nous avons continué encore dans le combat, j'ai vu encore plume de poulet qui est sortie de ma tête. Donc je voulais dire merci au Seigneur pour cette délivrance. Amen. Gloire à Dieu.
Je suis la sœur Somari, il y a professeur, le pasteur Abalé Nathan. Lorsqu'on priait tout à l'heure, lorsque papa insistait, je me voyais assise, lorsqu'il avait les yeux fermés, je me voyais assise et il y a une fumée marron qui est sortie au milieu de ma tête. Et après ça, je sentais une chaleur qui sortait de par mes oreilles. Je veux rendre grâce à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus-Christ. Clap offering to encore Jesus une fumée. Christ. Another smoke. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Indri Aya Inès, pour faire des disciples, la sœur Néa. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de dépression. Il faut dire que souvent, je suis là, je me parle. Moi, je peux rester, je me parle. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle. Moi, mais je réponds. Donc, lorsqu'on priait, j'ai senti une forte migraine. Ma tête me faisait très mal. Et puis, la chose est sortie au milieu. Pouf, comme l'eau bouillante. C'est sorti avec chaleur au milieu. Donc, je veux dire merci au Seigneur. Encore, lorsqu'on prie encore pour esprit de folie, il y a quelque chose qui est... Parce que souvent, que je suis là, ça me dit, si tu deviens folle même là, tu serais comment? Tu serais belle, hein? C'est comme ça, ça me fait souvent. Donc, c'est sorti dans moi. Il y a vu quelque chose de noir qui est sorti, vous! Dans moi comme délivré. Ça. Donc, je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré. Clap offering. Oui, si tu es folle, tu seras belle. Vous voyez? That if you are mad, you will be beautiful. You c'est see? Comme ça les esprits de dépression et de folie. These are how the spirit of depression and madness act. Déshabille-toi, tu seras beau. Undress yourself, you will be handsome. Goûte un peu la nourriture qui est à la poubelle, c'est doux. Taste the food from the dustbin, it's nice. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Epiphanie Cadio, mon faiseur des disciples, c'est le pasteur Salé. Je veux dire merci à Dieu parce que Dieu nous a exaucés. Amen. Tout à l'heure, quand on priait, j'ai vu une vision où les anges sont descendus, ils ont déposé des matelas, où ils étaient en train d'opérer les sœurs, les frères, et ils enlevaient les journaux, les coris, les bois où ils ont attaché les cordes rouges. Ils étaient en train d'enlever cela. Et le Seigneur me disait que je viens de délivrer mon peuple. Donc, je veux dire merci à ce grand Dieu qui a opéré cette délivrance. Que toute l'honneur et la gloire lui reviennent. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwasiya Maturé. Je suis des disciples. Nyamé Marie Daniel. Il faut dire que quand le pasteur a dit la dépression de la colère, j'ai ressenti une forte douleur dans ma tête, et c'est comme j'ai vu une main qui enlevait épais, noire dans ma tête, qui était rouillée comme cela. Il en est ça dans ma tête, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Anne-Hélène, mon fils de disciple, c'est maman Carole, Baba Tunde. Je veux dire merci infiniment qui m'a délivrée de la dépression. Pour moi, quand ça commençait auparavant, l'avant me dit, les gens ne t'aiment pas. Souvent, quand je passe et puis je salue un frère, et puis le frère me répond bizarrement. L'avant me dit, tu as vu, il ne t'aime pas même. Et ça fait que quand je vois la personne, pour te saluer, ça ne me dit plus rien. Je peux te saluer, mais pas avec tout mon cœur et tout mon amour. Et tout à l'heure, quand papa avait commencé à prier avec nous, j'étais là, j'ai commencé à sentir une chaleur au niveau de mon bas-ventre. Et après, ça montait. Et il y a une voix qui me disait que je te délivre de la dépression. Et cette chaleur montait jusqu'à ma poitrine. Et ça sortait par mes narines, par ma bouche. Et tout mon corps a commencé à chauffer. Je veux dire merci infiniment qui m'a délivré authentiquement au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je suis le frère Esdras Tanguy Kwasi, disciple du pasteur Yao Gérard. Je veux infiniment être reconnaissant au Seigneur qui m'a délivré de la dépression. La première partie de la prière, je me disais à moi-même que je ne suis pas dépressif. Et quand on a commencé la deuxième partie, quand papa a commencé à dire l'esprit de mensonge derrière la dépression, l'esprit de peur derrière la dépression, le Seigneur m'a ramené à certaines situations où quand j'ai peur au point où c'est difficile, je commence à mentir. Et le Seigneur me dit, tu vois, tu es dépressif. Et j'ai commencé à prier fortement. Et là, je me sens libre. Je n'ai plus peur. Et je me sens libéré par la grâce de Dieu, par la main puissante du Seigneur.
Il est arrivé même un jour, j'ai eu rendez-vous avec papa. Peut-être que ce jour-là, il l'a senti même que j'avais peur. Parce que quand je parlais avec lui, ma voix tremblait. Quand je vois les anciens pour venir les saluer, j'ai peur. J'ai peur de m'approcher même. Et ça fait que dans mes affaires, j'ai raté beaucoup d'opportunités à cause de cette peur-là. Parce qu'une voix me dit, tu vas aller là, tu vas dire quoi? Il va te faire ceci, il va te faire cela. Et ça m'a fait rater beaucoup d'opportunités. Mais aujourd'hui, je me sens libéré, je me sens libre. Jésus l'honneur, Christ. La gloire, la magnificence reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais dire, et si la sœur est gênée pour faire des disciples passés Kanga Tongi. Je voulais dire infiniment merci au Seigneur qui vient de me délivrer tout de suite de la dépression. Quand j'étais petite, j'ai été élevée par une femme tellement que j'avais peur d'elle. Quand j'entends, elle sort, quand j'entends sa voix qu'elle arrive, directement je me menstrue. J'ai tellement que j'ai peur. Et toute ma vie, j'ai eu toujours peur. Mais quand je vois une autre fille qui passait avec bagage, mon cœur se coupe. Et puis j'ai peur, j'ai 36 mois. J'ai toujours peur, mais quand je dors seule, j'ai peur. Mais aujourd'hui, pendant qu'on était en train de prier, je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. Parce que c'est comme si j'étais dans une maison où ils ont allumé un grand feu, puis il y avait la fumée, mes yeux. Il avait fermé mes yeux, mes larmes coulaient, tout ici était mouillé. Je voulais dire infiniment merci au Seigneur qui vient de me délivrer tout à l'heure. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Latmel Nelly Josias. Je suis, mon faiseur, c'est le pasteur Nyaoré. Et moi, je rends gloire à Dieu ce soir parce que depuis l'année passée, à partir du mois de mai, c'est comme si j'ai commencé à perdre ma connaissance. Tout ce que je connaissais à l'école, j'ai commencé à perdre. Moi-même, je sais que j'oublie les trucs, même des gens que je connais, tout. J'ai commencé à oublier ces gens-là. J'ai perdu mon intelligence même. Et ce soir, pendant que le pasteur prêchait, il a dit que si tu es dépressif, il a commencé à citer les critères et il a parlé de la salive. Donc pendant la prière, j'ai commencé à avoir assez de salive dans la bouche. Et je me suis levé, je suis allé derrière et j'ai commencé à vomir là-bas la salive, assez de salive dans la brousse. Et il y a un frère qui est venu me chercher et il m'a envoyé à la délivrance. Ils ont prié pour moi. Donc, je rends gloire à Dieu déjà pour la délivrance qu'il vient de me donner. Amen. Lis pour nous, psaume 3, 5 à 9. Read for us psalms 3, 5 to 9. Psaume 3, 4, 5 à 9 et psaume 4, 8 et 9. Psalms 4, 8 and 9. Gloire à Dieu. Psaume 3, 5 à 9. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Cette parole veut dire que Dieu est fidèle. Tu l'appelles, il répond. This verse means that God is faithful. You call upon him, he answers. Il ne faut pas douter. Don't doubt. Tu as appelé. You've called. Il a entendu. He has heard. Il a répondu. He has answered. Il a eu des délivrances. There have been deliverance. Vous voyez la fumée. You see smoke. Les esprits de dépression, la fumée noire, la fumée marron. Spirit of depression, dark smoke, brown smoke. La fumée noire. Black smoke. Rouge. Red smoke. Ils sont partis. Gone. Continue. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Va. Go. Couche-toi. Lie down. Ferme les yeux. Close your eyes. Et dors. And sleep. Ne crains rien. Do not be afraid. Fais comme David. Do like David. Il dit que quand il crie, Dieu répond. He says when he cries out, God answers. De sa voix, il parle à Dieu.
From his voice, he speaks to God. Dieu entend sa voix. And God listens to his voice. Et lui, qu'est-ce qu'il doit faire? And what is he supposed to do? Il se couche. He lay down. Il s'endort. And he sleeps. Sans crainte. Without fear. Va. Go. Couche-toi cette nuit. Lie down this night. Dors. Sleep. Comme tu n'as jamais dormi. As you've never slept. Lis le chapitre 4. Read verse 4. Chapter 4. 8 et 9. 8 and 9. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix. Je me couche. I lie down. Et je m'endors en paix. And I sleep in peace. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix. I tu me donnes I sleep in peace and you la give sécurité me security dans ma demeure. In my dwelling place. Il veille sur toi. He watches over you. Un esprit démoniaque. A demonic spirit ne peut pas casser ta porte. Cannot break your door. Jésus est là. Jesus is there. Je me couche et je m'endors. I lie down and I sleep. Tu assures ma sécurité. You ensure my security. Dis Seigneur. Say Lord. Tu es avec moi. You are with me. Bénis-moi. Bless me. De telle sorte que quand j'arrive chez moi aujourd'hui. In such a way that when I get home today. Ou bien dans, sous ma tente. Or under my canopy. Ça dépend de là où tu vas dormir. It depends on where you're going to sleep. Que je ferme les yeux. As I close my eyes. Que je m'endorme. Let me sleep. Paisiblement. Peacefully. Je bénis tous les dépressifs. Say bless all those suffering from depression. Non, tous les excès dépressifs. All the ex depressive. Qu'ils se couchent. Let them lie down. Qu'ils s'endorment. And sleep. Qu'ils soient joyeux. Let them be joyful. Bannis les inquiétudes. Ban worry. Dis Seigneur. Say Lord. Délivre tous ceux qui sont remplis d'inquiétudes. Deliver all those who are full with worries. Dis bénis-moi. Say bless me. Frère, tu es guéri. Brethren, you are healed. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. You are healed, you are healed, you are healed. Tu es guéri de la dépression. You are healed from depression. Va. Go. Tu te couches. You lie down. Tu fermes les yeux. You close your tu eyes. Tu t'endors. And you sleep. Et ça sera désormais ainsi. And it will be so. Et tu n'auras plus besoin d'aller à l'hôpital. And you will no longer need to go to the hospital. Parce que quand tu vas à l'hôpital, because when you go to the hospital, on va te faire des injections qui vont t'amener à dormir. They will give you injections that will lead you to sleep. C'est tout. That is all. Et quand tu vas te réveiller, once you get up, on va encore doser. They will still give you. Après, then, tu vas commencer à grossir. You start gaining weight. Alors qu'avec Jésus, meanwhile with Jesus, tu te couches, you lie down, tu t'endors, and you sleep. Tu te réveilles joyeux. You wake up happily.